Et plif, plaf, plouf, le facecam, comme d'habitude, relativement ponctuel, à la picoseconde près. Ce soir, on va poker des tools, on est deux, ça va être vachement plus calme, plein de petites choses chouettes à raconter, et le tout en compagnie de Dry, ou Dry Paints. Comment ça va ce soir? Ça va très bien, merci, et toi? Un savant mix de ultra fatigué parce que j'en ai un peu chargé, mais en même temps je peux pas dire ça à chaque stream, ou le puis-je, et émerveillé parce que j'ai passé la journée en training avec Agari. Des bisous s'il nous regarde, de toute façon s'il passe de temps en temps, même si le stream n'est pas son format préféré. Et donc si vous ne savez pas encore, c'est la formation Burp, et il m'a matraqué le crâne avec des choses utiles, intéressantes, alors que j'utilise au quotidien depuis 6 ans. Donc voilà, vraiment, il y a des bons retours qui sont faits sur régulièrement, et bah oui, bah voilà, les faits collent à la théorie. Comme d'habitude, bonjour et bienvenue aux habituels Kellyanon, Neolex, Totoro, La Base, L'Outre Chauve, plus récent, mais ça fait plaisir, Insgads, également, et probablement plein d'autres qui sont silencieux. Qui vont arriver tranquillement aussi. Évidemment. On a dit tranquille, c'est le mot d'ordre du stream de ce soir. Avec comme d'hab un petit onboarding, comme d'hab pas du tout, c'est la deuxième fois qu'on le fait, mais un léger onboarding à base de mèmes, le temps que ça se chauffe, que les gens viennent, rejoignent. Yo Lux, bienvenue également. Alors il y a eu du mème de qualité à base de troll Kubernetes, ce template de mème est assez priceless parce que il y a moyen de trash talk toutes les technologies, tous les trucs utiles, mais avec une mauvaise foi majestueuse, je trouve ça top. On a eu bien sûr du use Linux is free as long as you don't value your free time. True. Truth has been spoken. Il y a eu du comme d'hab côté communautaire, un peu de hardware revamp, un peu de troll ou de factuel qui plaisait sur la gestion du hardware. Il y a eu des alias fort judicieux. Magistro. À moins que, ouais, ça doit pas être ultra simple de taper des emojis, autocompléter des emojis. Moi j'ai des binds. T'as des binds. Nice. Et il y avait eu un petit troll à base de drive, Google Drive monté en tant que swap pour faire de la RAM, et pour l'avoir déjà poké, ça fonctionne. Ce n'est pas judicieux, mais c'est quand même sympa de voir 2 Tera de RAM, même si c'est du swap et que c'est éclaté au sol. Et bien sûr du petit meme un peu plus cute. Il y a un petit pao.exe, donc c'est quand même du meme infosec. Works. Sur ce, on a des vrais sujets à traiter, mais croyez-moi, parmi ces vrais sujets, certains seront du niveau des trolls, du niveau de ces mèmes, et il y aura des choses questionnables. On est un petit 25, il est 2, je pense qu'on peut commencer. Donc n'hésitez pas, pareil, c'est vraiment le stream sur lequel on va pas faire veille techno de « on ponce des articles », mais on va prendre le temps de se poser, de tester, et de potentiellement choke. Donc il y aura peut-être des passages un peu plus lents, il y aura peut-être des passages fonctionnels, rapide, smooth. Voilà, la plupart des outils qui sont là, enfin tous en fait, je ne les ai pas testés. Donc on va partir dans de la poudreuse. On commence par 2 tools qu'on ne va pas présenter, pour des raisons un peu drôles, et totalement différentes l'une de l'autre. On était parti sur Groxy, qui est censé être une alternative à Burp, Kaido, Zap et j'en passe, qui a l'air, moi je trouve ça ultra shiny beau, mais c'est pas trop que ça qui compte. J'ai pas regardé les technos, mais le truc qui me plaît, c'est que plutôt que d'essayer de tout recoder, ils ont dit on va essayer de prendre les outils fonctionnels existants et de s'interfacer avec, plutôt que de repartir de zéro. Une du stack bien, technique monumentale. Potentiellement, un nombre de connecteurs élevé aussi, mais pourquoi pas. Mais là où ça seulement va être seulement 74 gigas. Il y a un peu ça. Attends, pourquoi est-ce que l'impression qu'on n'a pas le son? Sinon, il y a bien la musique. Attends pour moi. Chop chop, comme d'hab, n'hésitez pas si la musique est trop forte, pas assez forte, à me le faire savoir. Là, ça a l'air pile poil dans la bonne range. Usine à gaz. Oui, ça peut clairement être une usine à gaz, mais point positif. Il y a plein d'outils, ils font bien les choses. Point négatif, c'est plein de gens qui font des outils en sécurité offensive. Il y a plein d'outils très fonctionnels pour de l'offensif, mais qui ont, moi le premier coupable, aucun contrat d'API, aucune évolution de non-breaking change, voire même plutôt une promesse de breaking change régulier. Donc ça va être probablement un enfer à maintenir, n'empêche que ça peut
donner des trucs vachement chouettes. En particulier, qu'est-ce qu'ils nous disent ? L'open database, pourquoi pas ? Automatisation, organise, recon, custom, ça se fait un peu tout, mais donc il y a aussi bien des tools un peu côté Project Discovery que du Go pour faire du FUF ou du Cook, et donc un équivalent de CyberChef ou de Agvertor, je dirais, côté Burp. Katana pour du crawling, de browser, soit normal, soit headless, donc soit simulé, soit véritable browser, enfin bref, ils veulent mettre à boire et à manger dedans. C'est les bons outils, donc ça peut être top, mais l'intégration et le niveau de qualité, voire même de sécurité finale de l'outil peut être complexe. En l'occurrence, il est actuellement encore en early access, alpha, voire bêta, et le développeur a dit « Oui, oui, les accès, c'est bientôt. » J'ai dit « Ah, dommage, j'aurais bien essayé de le tester ce soir. » Et il a dit, il n'a pas dit « Flemme », il n'a pas dit « Faites la queue comme tout le monde ». Il a dit « Je vais voir si je peux le fixe pour ce soir, 9h. » On n'en demandait pas tant. C'est incroyable. Donc actuellement, bon, il y a eu pas mal de taf, c'est un peu compliqué, ouais, j'avoue. Et il a essayé. Let's pay credit pour une réaction ultra plaisante. Bon, un projet neuf, parce que j'espère qu'il fera pas ça à chaque fois que quelqu'un ping. Mais en tout cas, c'est tout à son honneur, donc ça me régalait de voir ça. Donc on en parlera dans un épisode futur, je pense. Potentiellement même lui proposer de venir, si ça le chauffe, pour montrer un peu ce que ça va donner. Parce que je pense vraiment que ça peut être ce genre d'outil ultra prometteur. Surtout que du coup, ça diminue un peu l'interface entre le monde GUI, le monde CLI. On pourra sûrement prendre des... Comment dire ? Demander de faire sortir les outils qu'on fait le scan pour pouvoir faire du rejeu en CLI après. Donc, ouais. On... Ajouter tes arguments à la volée et tout. Moi, j'imagine bien ça, ouais. C'est ça, potentiellement interfacer nos outils à nous. Potentiellement le fait de pouvoir proposer à un client de faire du recheck facilement. Parce que ça, c'est aussi un peu le nerf de la guerre, l'un des. Et donc voilà, ça s'est pas fait, mais ça aurait pu. Et en tout cas, merci Sir Gitz, c'est cool. Un deuxième projet où ça ne s'est pas passé. La deuxième, ça ne s'est pas passé exactement pareil. De base, vous voulez parler de Covery Engine. Pas Engine, Engine. Et donc voilà, la promesse est la suivante. Vous avez Covery qui vous permet de faire du déploiement sur d'autres stacks en étant le plus cloud agnostique possible. La promesse est plutôt belle. Pourquoi pas ? Ça parle de Rust, Docker, de HCL, de machin. Pourquoi pas ? La promesse est belle. Feature, zéro infrastructure management. La promesse est peut-être trop belle pour être vraie, mais sait-on jamais, multi-cloud. Faut voir, on top of cube. Si c'est bien packagé, bien wrappé, ça force à avoir du cube, mais pourquoi ? Pourquoi pas, moi j'aime bien. Terraform, Helm, inévitable. Powerful CLI, I hope. Web interface, faut voir. Et donc, un système de plugin pour pouvoir déployer son infra, autodéployer les outils qui permettront de déployer son infra, autodéployer les outils qui monitorent l'infra. Donc c'est quand même un espèce de... On sait ce qu'on fait. On a choisi toutes les technologies fonctionnelles et qui vont bien ensemble, adéquates, pour les mettre ensemble, littéralement un peu comme le soft d'avant, mais pour le cloud, pas pour le pentest, et de rendre ça accessible. Accessible. J'ai tout à l'heure tenté ma chance. Parce que du coup, l'idée, c'est vraiment faire de l'infra as code. Et que cet infra as code va aussi contenir le système de GitLab ou de Argo, de Pipeline, qui pourront déployer une nouvelle version, etc. Je voulais creuser, je voulais ne serait-ce que POC. Et en voulant essayer, on se rend compte qu'il faut créer un compte. Ok. Est-ce qu'ils ont le get started ? Voilà, à la limite. Admettons. Yo Yonzax. Yes, Noël, ce serait cool que ce soit facile d'ajouter des outils. Guayo, nice emote. McDostone, welcome. J'espère que tu en es sorti avec ton intégration de mot de passe de keychain. Et j'en passe. Et Elouette, Eddie Boussek et tout. Oh, les classiques. Trop de gens motivés. Toujours est-il. Covery, très bien, on commence. Donc, on voit qu'ils ont quand même des beaux graphes, des beaux dashboards, des beaux trucs de playbook à lancer. Moi, je vois ça, le tooling, il a l'air relativement agréable, plaisant, voilà. Enfin, c'est ultra tôt pour le dire, mais juste on voit que il y a quand même un effort pour fignoler, pour faire du team management, gestion aussi bien des DB que du compute, que du moitié serverless. Enfin bref, ils ont un produit abouti. Get started. Ok, get started. Il dit sign in, sign up, vous faites un compte. Ce que j'ai fait. J'ai linké mon GitHub, été recontacté, tout ça. Alors ça, c'est les PR à traiter.
coucou Gabriel, je review ça quand je peux. Et sans aller trop profondément dans le contenu de ces mails, ce n'est pas normal quand on veut tester un bout de software. Encore, tu vois, si c'était que SaaS, ok, mais là, il y a du code, il y a des choses à regarder. Et puis, pour des AWS, n'importe qui perd des bêtises, et demander de lever des limites hautes, de genre des soft limites. Mais là, c'est pour essayer l'outil, alors qu'il n'est pas vraiment en bêta, il me semble. Ça demande, bonjour, vous travaillez bien à OpenSkill. Ouais. Et mano, bien sûr, parce qu'on paye le crédit, hein, toujours. Super. Pourquoi vous l'utilisez Covery? Est-ce que vous avez un compte? Est-ce que machin? Écoutez, je veux juste tester des trucs. Important, Lucas. Voulez-vous tester Covery? Co-founder, ils ont dû avoir un bug, un process qui a pété. On va pas jeter la pierre, on n'est pas là pour pourrir du monde, mais juste le process de 3 mails, de double relance, de messages automatiques, mais qui utilisent un peu des infos perso pour faire genre on a lu le mail alors que c'est full automatisé, yet bugué. Non. Et puis savoir ce que vous voulez. Enfin, je veux juste poker le truc, vous me demandez qu'est-ce que je vais faire de l'infra. Bien joué, ceci est une injection. Coucou Wilstr. Donc voilà, c'était vraiment 2 outils à poker, 2 solutions, 2 réponses, pas franchement les mêmes. J'ai vraiment préféré celle du mec sur Discord qui disait mais oui, je peux essayer de tryhard pour 9h plutôt que. Le mec il s'est réveillé au milieu de la nuit, il a vu un message sur son Discord, ça a fait sonner son téléphone et tout. C'est quand même un gros truc, mais enfin je sais pas, le git avec juste un commit qui touche tous les fichiers qui dit juste bump et qui du coup tu vois pas trop qu'est-ce qu'aime. Ouais. Juste bump, pas bumply, pas bump deps, pas bump. Y'a bon, combien de stars? Si on a 2, en fait le truc c'est un. Non. Scénario où tu voles des creds cloud. Et après, tu vois, c'est un peu récent, mais il y a quand même 2200 stars, 68 forks. Commit, il n'y a pas énorme. Alors qu'en plus, il y a des bums, donc ça veut dire que soit ils font des branches et ils font des beaux rebase bien propres à chaque fois, soit c'est peut-être que c'est là juste pour mirrorer un truc qu'ils ont en interne qui lui serait plus propre. Mais en tout cas, j'ai envie de tester, mais pour l'instant, Donc bon, on verra la suite. Vraiment, comme dit, c'est pas pour les bâcher, un petit bug de process, ça arrive, mais c'est pas ultra engageant pour l'instant. Toujours est-il, on enchaîne, on a dit qu'on testait CVE Map de Project Discovery, parce que comme d'hab, ils font plein d'outils, ils continuent à être relativement prolifiques. Si vous êtes default la Lubuntu, donc des gens de bien, normalement, il y a déjà PDTM qui est installé dans votre distro et le install-all est censé peut-être avoir déjà installé ces 2 maps si eux l'ont ajouté. Nice, incroyable. Bravo. Donc oui, on a ça. Je l'avais mis, mais qu'est-ce que ça fait? Comment est-ce qu'ils le vendent? CVE Dataset Search and Query, ok. CVE to KVECP, d'autres trucs. CVE to GitHub POC, ça j'aime bien. Ça c'est cool. Ouais. CVE to Nuclear Template, ok. HackerOne Report, ils sont chauffés quand même. Ils sont chauffés. Très bien. Et du coup, faut qu'on cherche une CVE list for given ID. Est-ce qu'ils montrent des exemples d'usage? CVE map, plus button, CVE map, API, require. Ah! Ouais, j'ai vu qu'il fallait se connecter, ouais. Que je n'ai pas encore, et du coup si c'est full en autante, il y a moyen que je ne puisse pas le POC non plus. Ah, c'est bien ça, les clés d'API non montrées. Alors bougez pas, on va remettre on va aller faire ça sur un autre écran, n'est-ce pas? Alors 4-4-haute. C'est pas que je veux pas vous donner mes clés d'API, mais... Alors moi, comme j'ai le partage de son écran, la clé c'est Z majuscule, S minuscule. C'est pas faux. C'est pas faux. Après, j'ai pas pour l'instant... login. On peut tenter, hein. Ça propose du login with Google ou GitHub, donc let's go GitHub. Je suis censé déjà être connecté. S'ils veulent bien, ok, donc je
retourne cliquer sur les liens hors de votre vue. Vilmanan. Hop, hop. Est-ce que ce coup-ci, ça crée une clé d'API ? Évidemment. API key, oui. Oui. Successfully logged in. Incroyable. Incroyable. Nous revoilà avec un login. Est-ce que c'est assez gros ? Je pense que oui, dans le retour. On n'est pas trop mal. Fine, donc on a ça, on a dit tirer H et on a dit qu'on voulait faire de la recherche, donc de la query. Quel CVE ? Déjà la démo pour voir si ça marche, peut-être. J'aurais ouais. Vu... 4966. Il se passe quoi, juste si on le lance sans rien ? Ça donne les latest. Ou les latest... Je sais pas trop sur quoi ça default. Un produit type ado, security, ok. Des scores, ok. Fine, et donc du coup, si jamais on tente un truc de query avec une CV en particulier. Ok. Aïe. Ok. La tuile. Si... Peut-être que dans query, tu peux mettre des mots-clés, genre GitLab ou un truc comme ça. Ouais, il y a moyen, il y a moyen. Il y a moyen, j'espère. IQ, non. It is not mine. Hop. Ok, yes. Donc ça fait ça, mais est-ce qu'il n'y aurait pas genre un verbe pause ? Non. Genre un truc pour avoir un peu plus d'informations. Il y a tirer verbose. Ouais, on peut tenter verbose. Exclure, on peut... Donc update, pourquoi pas, mais on doit déjà être proche de la latest. On peut chercher par différents types de critères normal. Type les adresses publiques, published, POC. Ah oui, d'accord, c'est pour choper les CVE en fonction de certains critères de recherche. Un offset et JSON, ok, page key. On va tenter un petit verbose. Tire POC, niet. Ok, donc si jamais on dit pas du ID, mais plutôt du query. Au hasard. GitLab. Oh. Oui. Oui. Ok. Ah putain, il y a conduit. Template. Des gens qui ont fait des templates pip. Bah, pourquoi tu recherches ça sur Google ? Oui, c'est vrai que je les ai en local, t'as raison. Parce que aussi facile. Dinesh et Nuts. Nice. GG Nuts. Je l'ai super mal lu. Dianesh DK. C'est un HDK ? Pour faire du bon développement. Très bien, donc là c'est référence des choses, ok. Par contre, comment on fait pour savoir si ça référence... Ils ont dit que ça, quand même, ça faisait des croisements avec des POC sur GitHub. Moi, c'est ça que je veux. C'est les petits liens de POC. Dernière GitLab, allez. Je crois qu'il y a un flag. Possible. Ouais, mais je sens qu'il y a un flag POC. Ils ont un flag HackerOne. Ah, à moins que c'est pour dire que ceux qui ont un POC et ça défaut tout. Ok, deuxième chance. Deuxième chance, si on fait ça, POC false. Il n'y en a pas beaucoup et donc ça default à true et ça met que ceux qui ont des POC. La question c'est comment on fait pour demander... Non, ça n'a pas du tout fait la même chose que au premier. POC égale true, POC égale false, ça donne une petite liste. Mais sans flag... C'est... étrange. Ouais. T'as pas un moyen de montrer un peu plus de trucs, puisque là il y a genre 4 fils dans ton tableau. Bah justement, j'aimerais bien. On peut tenter avec le verbose, mais déjà c'est bizarre, tu vois, le POC default à true. Mm. Ce qui veut dire que quand on le met comme ça, ça va default à... Enfin, si on met POC, ça veut dire à false. Si default à true quand on met rien et qu'il prend pas de valeur, ça veut dire que le fait de le mettre default à. Le fait de mettre dash POC default à POC égale. Enfin, turn POC en false. Mm. Ce qui n'a relativement pas de sens, surtout quand il y a des templates qui existent, donc c'est un POC finalement. Je dois avouer que là. C'est un peu chelou. On peut tenter le verbose.
Ça, ah, t'as le -F, -field. Ah. Et après, tu peux choisir le field. Yes, field, HK, template. Yeah, bien vu. Bah, du coup. C'est bien ça. Je pense après un truc comme ça. Valid field. Ah. Il aime pas les espaces. Sur FPOC. Il aime pas les espaces ou il aime. Ah bah super. Ok. Fine. On va peut-être juste POG virgule template, voir si ça les prend comme ça. It does. Non, ça l'avait déjà mis. L'affichage avec un emoji et à côté la même chose mais sans emoji. Et quand on donne deux fois le flag, là il a supprimé le field POC. Donc ça veut dire que le deuxième flag override le premier, donc c'est bien système de virgule entre les deux je pense. Genre ça on va rajouter un petit vendor des fois que. Ok, donc c'est bien un système de virgule. Mais ça donne pas grand chose de plus quoi. J'aurais bien aimé quand même choper le système de lien de mapping à GitHub. Ils ont pas dit que ça c'était mappé à des POC. To GitHub, c'est vœu, to GitHub POC mapping. Bah ouais. C'est à toi d'aller le chercher en fait, je pense. Vendor product. Excuse product, CVE, CVSS, machin. Bon, système de statut, pourquoi pas. On peut tenter ça à la rigueur quand même. Ils ont dit que ça default à true aussi. Ce qui veut dire qu'en effet, si on cherche GitLab, comme tu le suggérais, on est censé tomber. On pourrait tomber sur les POC de GitHub, genre -POC-H hacker1. Parce que le mec qui a fait la recherche sur GitLab a dumpé ça. Ah oui, il donne le nombre de reports, mais sérieusement. Ça veut pas genre juste. Juste un lien. Ça c'est intéressant. Ah oui. Bon, JSON est bien, donc on va pipe JQ, pipe JLess. Et là, new game. New game, donc on a des CVS metrics, des weakness, très bien. Une petite description, tant mieux pour chacune des CVE. Ok, on pourrait bien rester dans la première. Dans la première, on a les weakness, le PSS, le CPE, pourquoi pas. Les références. Ce qui veut dire quand même qu'on pourrait faire un système de grep et d'extract de toutes les URL pour essayer de faire la vraie chasse au POC. Parce que souvent, du coup, si on pipe JQ, pipe, grond, pipe, grep, si Ellie voyait ça, il me arracherait la tête. Je comprends pas pourquoi. Parce que je fais pas des filtres JQ, je fais l'animal avec JQ, grond et grep. Pipe, sort, UV, je m'entends un petit peu en écho, chef, chez toi. Ah ouais ? Il y a toujours le système où le casque, ouais, le coup de ton casque. Ah ouais, c'est relou ça. Eh, souris. En vrai, c'est pas trop violent, mais faudra qu'on pense à checker une fois pour toutes. Ok, donc il y a les références côté GitLab, côté. Ah putain, c'est ça qu'on veut. Donc ça veut vraiment dire que tu peux demander d'aller préload tes rapports. Vas-y, on va quand même ouvrir quelques-uns. Plouf. Extract, open. Et là. On a. Eh bah oui, throttled. Normalement, évidemment, c'est on est les méchants. Je dis des choses un peu fort. Ouais, ça va. Ça va. On s'est fait throttle par HackerOne. Non, on s'est fait unthrottle par HackerOne. Et je suis Jaco. Excellent. Ok, donc il y a bien moyen de chercher une techno, de demander les rapports HackerOne, de dump en JSON parce que l'output de base est un peu curieux. Et voir ce qui sort derrière. Et du coup, voir un peu du code, voir ce que les gens en disent, comment ils le pètent. Par curiosité, on a, du coup, en chercheur. Je sais plus qui c'est. Voilà, Jobert. This guy, breaker of GitLab. Clairement. Donc, intéressant. Et du coup, curiosité oblige. Si on refait la même, mais avec mon meilleur copain. On a des choses comme ça et on retrouve bien d'articles de ceux qui ont fait de la recherche à peine avant, à peine après. Chocapic, c'est. Chocapic, nuts. Noise.
Ça, c'est ce que t'as sorti avec ton c'est, commande longue, c'était là. Du coup le CV map qui queries pip, qui demande l'époque et les liens hacker one en format JSON, et on extrait tous les liens. Ok, ok. Et du coup, s'il y a bien un coup de sorte, vas-y. Avec grave dashi think, parce que je suis un animal. Une. Ah. Ok, ça va. Mais bon, il y a Abyswatcher, il y a Nuts, il y a tous les autres qui ont fait de la recherche, sûrement sur Mizu qui doit apparaître aussi en vrai. Siri, Mizu. Not even. Non. Bon, mais il référence pas tout. On a encore des choses à faire. En tout cas, c'est cool. Ça permet quand même de faire un espèce de gros pré-Google Doc un peu accéléré. Mm. Ce sera pas perdu. C'est clair, c'est pas mal. SSRF testing made easy. Est-ce que ça te parle? Comment tu testes, toi, tes SSRF? Eh ben, je vais sur le chat root.me de SSRF, puis je regarde le write-up, parce que je l'ai fait il y a longtemps, puis j'ai oublié comment ça marchait. Faire. That's the way. Non, That's the way. À la main. À la main, ça marche. Moi, j'ai vraiment deux goto, trois goto. Il y a soit le burp collaborator, soit un petit coup de interact SH, qui fait quand même sacrément bien le café. Vous pouvez demander. Donc, bien sûr, faites quand même gaffe, parce que si vous êtes en pentest, il ne faut pas, quand vous tapez un serveur et qu'il retourne vers interact SH, même si en théorie, pour la discovery, c'était gentil, ça veut quand même dire que votre serveur va parler à ça. Donc votre serveur, a priori, a une faille de type SSRF. Donc si eux, derrière, sont mal intentionnés ou se font péter en étant bien intentionnés, ça donne un peu une liste de l'intégralité des serveurs qui peuvent se faire péter. Donc bon, on fait un petit dig sur poète.sedomaine et paf, on voit que on va avoir, normalement, s'il te plaît, ne me fais pas mentir, fais quelque chose, ouais. Un retour DNS. Donc ça, c'est pas de faire tester certaines interactions. On peut faire un curly ou même encore un petit coup de SSH, oula, allô mon terme, SSH point quelque chose, et là ça va nous dire que il y a eu du DNS, il y a eu du DNS, il n'y a pas eu de HTTP. T'as changé l'URL? Ben non, je viens de l'apprendre. Non. Pour tenter un petit coup de cœur là. C'est là où je me rends compte qu'en fait depuis le début on parle en local mais HTTP. Donc voilà, c'est triste à dire mais c'est la raison pour laquelle je râle souvent sur ce genre de service malgré le fait qu'il soit fait dans les meilleures conditions possibles. Ça nous a chopé une interaction HTTP, une sur les deux. Si on a des ports non default, bah des fois ils sont déjà utilisés. Les protocoles, ils ne sont pas forcément démultiplexés derrière. Ce que j'entends par là, c'est que sur le port 53, par exemple, on peut taper que du DNS et pas du HTTP. Ou l'autre, mais il faut qu'on ait la main sur le serveur pour reconfigurer des trucs. Moi, mon go-to, c'est juste faire un bon gros NC LNVP 9999. Et derrière, dire du coup mon SSH foo at 7001. C'est censé marcher ça, je pense même. Non, pas voulu. Allez, -p. Ouais, mais il me semble que c'est SCP alors qu'il accepte la syntaxe. Okay. Toujours est-il que ça, vous pouvez faire le protocole que vous voulez sur le port que vous voulez et comboter ça avec un while true do timeout de ça. Sleep, mais pas sleep, point virgule done. Je vais y arriver. Ce qui fait que vous allez toujours avoir une espèce de refresh pour voir que votre service est toujours up, que vous n'avez pas quelqu'un qui vous a fait une requête qui hang. Et donc, vous pouvez pouvoir tester et ça va tout seul vous tège et rester up pour en tester de nouvelles. Le seul petit edge case, c'est qu'il n'y a pas de fork, s'il y a deux connect simultanés, ben, y en a un qui va péter. Mm. Mais bon. Mais ouais, un petit wild true, McDostone, c'est bien le café. Hein. Soit ça, et sinon, tu avais aussi, je sais pas si j'ai installé Spacer. Il y a moyen de reprendre ce NC. Pipe Spacer, ouais, j'ai vu. Spacer. Qui lui fait aussi un taf un peu similaire. Il dit tous les. Un certain temps où il n'y a pas eu d'interaction avant de donner la suite. Donc il y aurait moyen, par exemple, de mettre juste un TCP dump avec un coup de Spacer, et Spacer va dire t'as reçu quelque chose. Ça vient passer pendant 10 secondes, t'as reçu quelque chose. Ok. Ça cool, fait ça. Pas mal le tap. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Mais et bon, le wild true. Avec un ngrok et tout.
Avec Aengrok, oui, tu peux l'exposer via Aengrok. Moi, j'aime bien limiter la complexité. Je vais prendre un serveur en ligne, l'utiliser pendant 10 minutes, le tomber, en mode infrascode. Et voilà. Et bien sûr, le dernier, qui est quand même super important à mon sens, le fait de pouvoir query directement un... Ok, d'accord, c'est pas ça, c'est dans... comme ça. Non, c'est la syntaxe NSLookup. Ouais. Bah oui, forcément, MDR. Alors, port 53, permission denied, évidemment, setcap, bind. Si vous faites des sudo partout, essayez de ne pas faire ça. Setcap, bind, Linux, sudo, un truc comme ça. L'idée, c'est de ne pas lancer des programmes en route quand ils n'ont pas besoin. Donc, pour se bind à un port un peu plus bas, on va juste donner la bonne kappa au bon programme. Sudo setcap, machin, au bon binaire. Netadmin. Et donc on a dit which, non c'est quoi, c'est si real pass de which de netcat, comme ça on va résoudre le lien symbolique si tant est qu'il y en ait un, ok. Et du coup on va pouvoir dire sudo setcap de, donc donner les bonnes capabilities au binaire pointé par le lien symbolique qui pointe vers netcat, bam. On a dit qu'on était là pour poker, hein, pour faire des trucs, clairement. Et du coup, si on rewild true, already news. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il te bloquait. C'est peut-être pour ça qu'il répond pas. Bah non, tu vois, il mettait du refused. Not found. Ça, c'est plus normal, je pense. Le souci étant que show open port, qui n'est autre qu'un LSOF, sur ma loopback, je dois déjà avoir un truc en 53 qui est mon système dResolved. Donc je ne vais pas faire ça parce que je ne tiens pas à changer ma configuration au réseau en plein stream. Ceci dit, on peut trixer. Docker, run, RM, but. RM, je vais arriver, RM, IT, Ubuntu 2.22.04, bash, non juste là d'ailleurs, -d, zoom. Là, sur fait la même, on dit docx de bash il. Let's go. Là, pareil, docx yes, de bash il. Push. Et on a dit qu'on faisait un ncnnvp de 53 en espérant qu'il n'y ait rien. Update, bien sûr. Apt install, yes. Vim, we get. On a besoin de netcat. Et de dig. Non, principalement netcat et dig en fait. Vas-y, ouais. NSLookup. Si tu veux, on devrait s'en sortir quand même. Super. Et du coup, si on dit dig. NetUtils, merci Kellyanon. Ouais, c'est ce que je me disais. Autant le proc PS et le IP route 2, je m'y suis fait. Net utils, pas mieux. Apt, file, search. On a dit dig. Non. Apt search dig. DNS utils. Il y a moyen. Chiant. Install, yes. Net utils. T'as pas auto outbind? Non, je n'ai pas outbind. Je pense que c'est DNS utils. C'est mieux. Ouais. Bien joué. Bon, Kellyanon, attention, on est en Ubuntu 20.04, pas en j'ai aucune idée de ça. très bien. Bon, alors, nous avions dit NC, LNVP en 53, en espérant qu'il n'y ait rien. On n'a toujours pas de CN. Netcat. Wesh. Ok. Pourquoi pas. Ok, donc on est bien écoute sur le port 53 ce coup-ci, on est bon. Et donc si on fait un dig de fou point barre 127.0.0.0.1, non, peut-être qu'il faut at à cet endroit-là.
ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Show, open port. Why you not working? Ok, install IP, root. Non, c'est SS, juste SS. Install, on a dit. Entre RHEL et Ubuntu. Il y a un peu de ça. En vrai, je pense que ça va me saouler un peu. Ok, donc on reprend à la maxi commande qui dit qu'on a déjà un truc en écoute sur le port 53, là oui et là non. Donc faut, en effet, on était bien fonctionnel, il faut juste qu'on trouve un moyen de faire la bonne requête. Donc si on fait un test d'écho, pouet, pipe, nc, 127, on a dit n, 4, 107.0.0.1, port 53, bam. On a bien une voie fonctionnelle, et donc si on exfiltrait de la donnée par nslookup, on a dit qu'on allait faire un, à l'intérieur de cette chose-là, comment on lui précise le serveur? Cheat, dig, plus short, plus en dessous, rien. Ah, c'était l'inverse. C'était donc l'inverse, et oui. Dig, machin, poète, point, barre, raté, j'ai pas les droites gauche, poète, point, barre. C'est en vérité. Et quoi? Je sais pas si ce qui m'embête le plus c'est que ça réponde ou que ça interroge pas notre vrai loopback. C'est le moment où tu veux poker un truc simple et rien ne se passe comme prévu. Zis, et à la fin 127.0. La réponse est dans le chat, je suis un mort. Oui. Ah, j'ai oublié, LN, U, VP, et là, bam, évidemment. Bien joué, MVP, défonceur. Défonceur de problèmes. Ce serait sympa d'avoir un troisième cerveau plus souvent. Thanks. Alright, on a fini de se faire cracher dessus, donc en tout cas, on voit bien que ça fonctionne, et c'est là où l'usage du while true ou d'un petit K pour dire keep open peut être sympa, qui n'est pas géré en UDP. Donc pas de tirer K, ça veut dire qu'on devrait pouvoir faire plusieurs UDP, requêtes. Il est toujours, toujours ouvert, je pense. Not even. Du coup, ouais. Baf. Baf. Donc while true, do, timeout, 1, 2 machin, done. Hop. J'ai fait l'erreur de lire le chat. Ok. Bon, toujours est-il, ça y est, on a des vrais outputs, on pourrait faire un serveur propre, faire plus d'exfiltration, n'empêche que c'est fonctionnel. Et ce que je voulais montrer, et je me suis peut-être un peu obstiné plus que de raison, c'est... No restart et stop all. La raison pour laquelle je me suis acharné, c'est que souvent, les gens essayent d'utiliser des systèmes de détection de SSRF pour faire sortir du trafic, soit sur un port avec un protocole, soit sur un autre protocole, mais souvent, c'est les defaults qui sont utilisés. Et souvent, le 53, enfin souvent, dans les boîtes qui ont commencé à harden, mais qui n'ont pas pu faire le taf en entier, il y a un truc qui fait péter plein de choses, c'est de bloquer la résolution DNS en sortant. Et du coup, il y a toujours moyen d'avoir un petit truc qui sort, et des fois, bah, justement, il bloque le DNS. Il laisse passer que le DNS, mais en ouvrant tout sur le port 53 et pas que l'UDP, donc moyen de sortir quand même de certaines manières. Soit il y a un résolveur interne qui permet quand même de sortir, donc toujours tester le DNS en premier. Et c'est pas parce qu'un protocole ne passe pas en sortie qu'il passera pas sur un autre port un peu chelou. Donc voilà, faut jamais give up les tunnels dans tous les sens. Ça se fait. Et faites du setcap, parce que du coup là, on pouvait quand même montrer que, même si on n'a pas pu le faire sur le port 53 parce qu'il est occupé, sur 54, on peut listen et on n'est pas en route, alors que le port est inférieur à 1024. Donc on est plus granulaire, on est moins cradoc. Et mais le monde quand tu va fais bien. Install, il le fait pas tout seul? De le mettre en setcap? Ouais. Bah non, il va pas donner par défaut à des programmes le droit de faire plus que ce que toi t'aimerais qu'il fasse. Ok.
Parce que moi j'ai jamais cette cape sur Netcat et je l'ai jamais run en route non plus. Oui, mais tu t'es peut-être pas bind. Ah, peut-être que c'est pas sur des well-known ports. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je vais essayer. C'est même pas tant les well-known, c'est vraiment dès que c'est inférieur à 1024, clac. C'est vu comme service essentiel à la machine, donc lock. Et du coup, on va pouvoir tester ce service qui nous propose de l'aide pour découvrir les SSRF. Donc nous, instance, ethical only, bien sûr, nos conséquences, ils ne sont pas responsables, authorized target, évidemment, reporting, if you discover vulnerability, report them, évidemment, bien sûr. Donc on a un subdomaine unique où les gens pourront envoyer des bêtises s'ils arrivent à le lire alors que c'est écrit petit. On a your unique subdomains, donc on en a deux. Ok, pourquoi pas. Marrant que ce soit sur CSS Advisor. On peut demander des réponses custom. Donc ça, c'est sympa. C'est vraiment un petit gain de temps pas dégueu. Instance info. Elles sont là pour vivre une heure et on a des logs. Ok, donc c'est vraiment juste petit outil convenience pour changer de la réponse. Donc si on dit qu'on veut du 200, pourquoi pas. On va tenter, comme la transition le veut. Ah... Voilà, McDo Stone. 420 voilà, à voilà. Une pote. Je l'avais. Ouais, non, oui, oui, évidemment, c'est bien retrouvé. Faudrait qu'on. Du coup, on a commencé à faire des bêtises, très bien, ou alors c'est juste le bruit de l'internet. Et du coup, nous, si on fait un petit curly. Un petit curly sur le copain, plaf. Ça nous donne bien le NLO, ça nous donne bien le bloop dans les headers relativement facile. Nginx 1.18 derrière, pourquoi pas, et 420 unknown. Fine. Ce qui veut dire que on peut s'amuser d'office à faire des bêtises. Si on demande un 301 ou 300 quelque chose, un body, normalement il sera ignoré, mais sait-on jamais. Enfin, on peut avoir une redirection avec un contenu non nul, mais normalement le browser suit le code en premier, donc. Ouais. Et on peut tenter. Question slash. Comme ça, il va juste faire une petite while true redirect. Et là, on a bien ça, ignore slash, et si on lui demande en plus dessus les redirections, plif-plaf-plif-plaf-plif-plaf-plouf, 47 maximum. Ça marche bien. Est-ce qu'on a des gens qui nous ont envoyé des bêtises? Pas de message dans le chat. Et est-ce qu'on a un moyen? Ce serait bien qu'on ait un moyen de pouvoir choper tous les logs d'un coup. Genre, est-ce que ça se fait en affichage dynamique ou est-ce qu'on peut tout choper? Non, ça se fait en dynamique. Comment est-ce que la page a décidé de choper ces informations-là? Ou où? On a SSRF. Ok, on fait juste du poll bien salement là-dessus. Copy link adresse. On s'est fait troller par Yanzax. Et bien juste, j'imagine bien, j'ai envoyé des bêtises. Excellent. Même s'il n'est pas là vraiment avec nous, il est là avec nous quand même. Mais du coup, on va pouvoir regarder un peu comment faire du cron, du GQ, des choses comme ça. Parce que là, on a tous les contenus qui ont été dump, donc ils sont récupérés tels quels. Et donc, on pourrait essayer de faire de l'unicité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les dump, a priori, ou les IP. Est-ce qu'on donnerait pas l'IP de Yanzax, du coup? Allez. Tu sais, je fais genre, ah oh non, il vous embêtait, en fait c'était un bait. Là j'ai l'impression parce que moi aussi. Ah, c'est non, ouais, c'était pas calculé, mais... Le petit filtre, plif plaf plouf, pipe sort UV, ok. Et donc get IP, mon IP étant la 215, ça veut dire que vous viewers êtes les autres. Donc je présume qu'il doit y avoir celle-là... Peut-être un peu de bruit de l'internet quand même, un peu de réseau interne. Voilà, nous sommes tous cramés. Et donc si on demande non pas d'avoir le point IP mais les dumps pour regarder un peu les bêtises qui ont été envoyées et choper un peu d'unicité quand même. Parce que c'est ça qui nous intéresse finalement. Alors à faire ça. On va faire un système d'affichage un peu moins relou. Sort UV-O. Et le tout, on va le mettre dans osf.txt et on va code le osf.txt qui était déjà ouvert. Et donc là, avec le Alt Z, vous pouvez toggle et untoggle les lignes, ce qui rend le truc nettement plus agréable à review. Parce que déjà, tu vois que tout ce qui a juste du int AAA à la fin, a priori, on s'en carre un peu. Ou autrement, on peut juste dire tous les ID. Là, ça va être du
on s'encarre, ce qui fait qu'on peut retrier en ascending et en unique. Et donc, on n'a plus que très peu de résultats à analyser. 15 lignes. Gros gain de temps. Donc, On regarde la dernière ligne. Dre est trop beau. Waouh. En tout cas, voilà, des petits réflexes pour faire du tri de données comme ça, en mode un petit peu speed. Non, et c'est pas Doc, Yanza qui le sait. Je pense qu'il s'amuse, mais on le sait que s'il y a un truc qui dump et qui affiche... Genre là, on creuse un peu, mais l'intérêt, c'est de savoir quelle est l'IP du serveur et d'où ça vient. Donc c'était un peu connu d'avance, hein. Un peu couru d'avance, pardon. Et donc on avait ça, et est-ce qu'on avait d'autres... Ah non, je pense que c'est juste ça qu'il a envoyé, du coup. Autre manière de le savoir, un body arrive après des backlash R et backlash N. Donc si on prend tout ce qui va après, on n'a qu'un body qui est passé en poste. Et si on regarde les passes, si on prend tous les gets et ce qu'il y a genre, allez, quelques caractères après les gets, on voit qu'on n'a que des passes un peu default. Donc, aïe, données traitées, il n'y a pas grand chose si ce n'est un dry trop beau. Bah, pas mal ce petit outil, en vrai. Minimaliste, mais chouette. Ouais. C'est cool. Des bix. Comment dire, rien. Poland, Security Researcher from Poland. Alors. Eh ben, excellent. Si on peut lui mettre un petit kudos, faisons-le. Parce qu'en vrai, il y a plein d'outils qui sont des énormes vinagas et tout. Yo, qui arrive. Mais c'est cool quand il y a des trucs un peu simples à utiliser pour quand même que ce soit... MDR, suivez déjà. Ou alors je l'ai suivi pour ça. Eh ben GG. Ouais, j'avais dû le suivre en voyant passer un peu ce qu'il venait de faire. C'est intéressant, prenez le temps en vrai quand vous voyez certaines personnes proposer des outils et voir sur quoi ils bossent. Donc là, il est proche du projet Kaido aussi. C'est assez sympa de voir les autres projets qu'ils font, parce que souvent on trouve des petites pépites sorties de nulle part. Donc, that's nice. Heure Collapse, est-ce que tu veux essayer de faire ton système, enfin, présenter ton tool de hache avant qu'on parte sur la partie regex? Ouais, si tu veux, ouais. Vas-y, bah, je te laisse me partager ton écran. Ok. Et on va faire le switch ici. J'aurais été à la proposition, viewer-viewers, si vous avez des outils à POC, balancez-les dans le chat ou envoyez-les-moi en DM ou peut-être plutôt dans le général FR ou EN du Discord. Ce qui fait qu'on pourra prendre le temps de les tester. C'est vraiment the right time pour ça. J'ai ton écran, je te le caste. Ouais, si tu veux, ouais. Tu Hop. Ne montres rien de sensible? Non, normalement, non. C'est tout bon. Je pense que c'est ok. Je vais te zoomer un petit peu. Ah ouais. Alors, ce week-end, je faisais du RootMe. Donc, je vais pas vous dire quel chal, ce sera à vous de trouver ça. J'avais un besoin un petit peu particulier pour faire du cracking. J'ai pas eu le skill pour utiliser John ou H4 pour faire ce dont j'avais besoin. Et en plus, malgré la pléthore d'algo de hashing qui propose de craquer, bah, il proposait pas pour... C'est tout en bas, c'est tellement zoomé que je vois rien. Pour un plugin de serveur de base de données MySQL Native Password qui utilise un algo mais étrange. Donc en gros, ils font un SHA-1 du pass qui XOR avec le SHA-1 du pass salted haché deux fois en SHA-1. Rezoome un petit peu s'il te plaît, chef. Ah ouais, c'est vrai. Thanks. Bon, en gros, voilà, c'est ça qu'on trouve dans la doc. Et donc, j'avais besoin de pouvoir faire une petite formule d'un truc à craquer. Et en fait, je suis tombé sur ce super repo GitHub avec deux stars, update il y a 4 ans. Mais j'ai réussi à le faire fonctionner. Donc, c'est très simple. Alors, en fait, il propose deux tools. Il y a oddhash et oddcrack. Donc, oddhash... Il sert à faire un hash qui a un format un peu bizarre. Réponse, fais-moi des petits zooms, s'il te plaît. Ouais, même demande. C'est vrai. C'est pas le réflexe. Je vois ça.
Et donc après, si on fait Odd H, c'est assez comme ça. Ouais, je pense que c'est assez. C'est après Odd H, on va passer dedans la petite formule. Donc le chawan du mot de passe qu'on concatène avec le chawan du mot de passe salted machin. J'ai trouvé un truc cool dans le tool, c'est que il a un petit préfixe que tu peux ajouter, tu peux passer ton hash, ton pass, tu peux les passer en hex, tu peux les passer en base 64, etc. Il décode tout seul. Bon, c'est gadget, mais c'est cool. Et après, par exemple, tu vas mettre un mot de passe très très sécurisé, si possible qui est dans RockYou pour la démo. Et il va te faire ça très rapidement, il va te donner le hash. Donc là, j'ai fait un truc salted. Tu vois, il y a la possibilité de dire est-ce que c'est un salt qui est avant, qui est après, machin. Et après, je vais reprendre la même commande, mais je vais remplacer par crack. Hop, donc la même formule, le même salt. Si je l'ai pas, c'est râpé. Après, il me faut ma wordlist. Je crois que c'est -w, donc user, share, wordlist, RockYou. Et après, mon hash. Et normalement, ok, T'avais déjà le... Ah non, c'était le sous. Ah, c'est pas -w. En fait, il n'y a pas de -w. Voilà, il va le faire tout seul. C'est magique. Et voilà. Excellent. Ultra malléable, efficace. Je sais pas trop comment ils font ça derrière, mais... Ouais, moi non plus, j'ai pas regardé. En fait, si tu veux, ça faisait 3 ou 4 heures que je cherchais comment était fait cette espèce de sale hache. Je suis tombé sur des vieilles docs de MySQL, machin. Je suis tombé là-dessus, je me suis dit, waouh, je vais devoir passer ça dans HK tout John. J'ai pas trouvé de module natif qui faisait ça. Et en fait, je sais plus, j'ai dû taper crack MySQL native password GitHub. Je suis tombé sur celui-là. How to learn MySQL while selling crack online. Online crash course. Et voilà. Voilà, donc je suis tombé là-dessus. Ça marche super bien. C'est comment dire, j'ai sauté au plafond. Petite question, réflexion, brain candy. Si tu as une injection SQL sur un site et que tu commences à chercher à choper un compte admin, le réflexe, ça va être dumper les hash et essayer de lancer un brute force. Ouais. Comment faire pour gagner en fiabilité, efficacité et être sûr que tu mets pas un coup d'épée dans l'eau ? C'est un petit trick tout con, mais qui vaut la peine d'être dit de temps en temps. Alors, j'essaie de faire quoi ? J'essaie de dumper des mots de passe ? T'essaies de choper un compte plus privilégié que le tien, parce que à supposer que t'es déjà un compte sur l'appli et que t'es topé ta SQL via ça, toi, ce que t'as envie, c'est commencer à brute forcer des mots de passe et de voir ce qui peut être fonctionnel, quoi. Comment optimiser tes chances de choper un compte admin via ta SQLi plus du brute force? Je vais aller chercher dans des ID qui sont bas. Si les ID sont incrémentaux... T'as pas dit bêtise de travers. L'énorme gaffe, quoi. À l'aide. Attends, je vais mute 2 secondes. C'est pour de vrai. C'est la mort de la Lucas en live. Dommage. You'll be missed. Waouh. Ok, désolé pour les oreilles, si j'ai buté du monde. Les ID faibles pour essayer d'avoir des comptes créés tôt dans l'appli ou il y a longtemps, donc pas les mêmes politiques de mot de passe ou par rotate ou plus privilégiés. Ok, pas mal. Ouais. Disons que tu veux juste un autre compte. Sinon, je cherche... Alors, si je peux modifier la query et tout ça, que je trouve dans le schéma un champ qui s'appelle isadmin, je vais modifier ma query pour choper du isadmin true ou des trucs comme ça. Ok. Donc c'est bien, en effet, tu peux essayer de restreindre au compte intéressant. Là, on est plutôt parti du principe que tu as identifié quel était le compte admin et tu vas bientôt lancer ton brute force, mais ce serait quand même con de lancer le brute force pour rien, quoi, s'il y a un format de hash un peu chelou. Alors, j'essaie d'augmenter mes chances de fumer le mot de passe. Tout à fait.
De fumer le H de mot de passe. Je vais le faire avec le mien. Parce que je connais le mien. Et voir exactement. Si c'est salted exactement. Ou un truc comme tu ça. Tu changes ton mot de passe vers un truc reconnaissable. T'essayes de voir si déjà avec ton setup de crack, t'arrives à recasser ton propre mot de passe dans ta liste de 3 mots de passe. J'adore parce que le tu crack. Sais de manière véridique si ton setup fonctionne. Parce que des fois, on peut faire tourner un truc pendant 2 jours et pas avoir de résultat parce qu'on s'est craqué. Et des fois, juste les mots de passe sont forts et dommage. Donc vraiment, toujours avoir un petit témoin first. Crawler le site, essayer de voir s'il n'y a pas d'autres mots de passe de compte nuls qui sont tombés, mais dont on peut dériver des règles pour voir un peu les habitudes des utilisateurs de ce site. Faire du crawling et générer des wordlists à partir du contenu du site, évidemment. Ouais. À partir du domaine, à partir de tout ce qu'on peut trouver, des technologies même. De la personne en OSINT. De la personne, du pays, donc les noms de villes autour, les noms de rues, les trucs comme ça. On utilise Richelieu. Richelieu pour les mots de passe. J'ai plus le nom du tool, mais il y a un tool made in Poda. Podalirius qui permet de faire des world lists en fonction de la géographie d'une personne, assez nice. Et ouais, se craquer prend tout son sens, clairement. Et un autre truc que j'aime bien faire, c'est tenter de faire des password reset, parce que des fois, quand on fait un password reset ou quand on crée un nouveau compte, ça va set votre mot de passe à un truc faible, hardcodé ou temporaire, et il y a plein de gens qui le changent pas. Donc finalement, faire un password reset, choper le pattern, générer une wordlist en fonction du pattern ou demander un BF avec un masque H4, ça peut être particulièrement efficace. Ouais, alors pour un peu plus de contexte, je pense que ça va donner beaucoup d'éléments sur ça. En fait, la manière de laquelle on chopait le salt, c'était en interceptant des requêtes qui étaient faites entre le serveur et le client. Et dans la requête... dans la réponse du client hello, le serveur hello, dans le serveur hello il y avait le salt, c'est comme ça que j'ai trouvé ça. Si j'en dis plus, je dis quel chal c'est. Non, nous ne le ferons pas ça. Est-ce que tu me repasserais ton l'écran, pardon? Ouais, pas bien ton sûr. Écran. Chop. Et screen share there. Cool. Ce que j'aurais bien tenté de faire, j'ai perdu le tien. Redonne-moi le nom de l'outil, parce que du coup c'est le seul que j'ai fermé. Yes. C'est Odd Hash. Odd Hash, Get Crack, tout ça. That's a lot of vocabulary. Donc très bien, moi ce que je voulais tenter, c'est voir si à quel point c'est faisable en trichant de ouf, genre. Hey, I need to crack a custom hash with H4. How can I crack such custom pattern? Hop. Parce que il y a quand même moyen de faire des règles H4 aussi. Et du coup, je sais pas si à quel point c'est simple. Faut regarder aussi au passage, donc. Ouais, H4, mais pour ça, il faut être talentueux avec H4. Custom pattern. Custom word list and mask, ça se fait. Custom hash. Non, peut-être qu'il y a moyen que ce soit plus complexe que add custom hash type. C'est ça. Donc pour MD5, de MD5, de solde, de quelque chose. Ah oui, open étiquette, non. En même temps, ça c'est 2013, donc je pense pas. Custom rules, c'est pas vraiment des rules qu'on veut. Ah, je sais pas, tu vois, ça me... Il me semble qu'on peut le faire avec H4. Hein. Bah, je pense aussi, mais bon. Parfois, t'as attribué dans la table avec le dernier jeton de Forgot Password. Ouais, très bien, Totoro. Là, on n'est plus du coup sur du bruit de force, mais clairement, essayer de faire un password reset, choper un token, ou un token qui soit sauté, ou un truc comme ça, mais qui lui est le bruit de forçable, clairement. Clairement. Touch sur cause du password algorithmique des débloqués. Regarder un peu la doc, mais en vrai, installation, usage, help, building, contribute, c'est même pas trop ce qu'on veut. C'est sparse. Est-ce qu'il y a de la doc officielle? H4 wiki, yes. Advanced password cracking, donc ça peut. Mask non, prince, nope. Ça c'est stylé aussi. Keyboard walk generator. Pour essayer de choper des passes ou quand tu fais juste blub blub comme ça sur ton clavier. Enfin, je le comprends comme ça, peut-être c'est pas ça, mais.
Multipower 10, non. Brute force, hybride attaque, oui, non. Non. Association attaque, non plus. Pull toggle, non. Clip time, si je peux rien. Si dans le chat, l'un d'entre vous a la réponse, n'hésitez pas à faire passer. Faire tout, non. Non, non, je pense que les types de H doivent être un plem, hein. Ça me le doute. Custom char 7, oui, ça se fait, mais c'est pas ce qu'on veut. Bon, si tu veux un custom en particulier, c'est MySQL Native Password que je cherchais moi ce week-end. Ça peut. Multiple hash type mode. Je pense pas que ce soit ça. Chaining to different hash types. This. Je vais bien. Am I missing something? 2017, not available. Et pas easy à implémenter. Ça ne m'étonne pas. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Moi non plus. Après, bon, il y a toujours moyen de gruger en faisant ta grosse word list. Tu hashes tout. Derrière, tu la combotes ou tu fais un peu de hawk de scène. Mais. Ah. Mais très bien, je pensais que c'était vachement plus facile, trivial, et a priori non. Donc sauf si quelqu'un nous prouve wrong avant la fin du stream, c'est nice, sinon... Please do, clairement. Clairement. Alors, on enchaîne sur du RE Collapse. RE Collapse, qu'est-ce que ça fait? Helper tool for black box regex fuzzing. Ah oh, oui. Bypass validation. Pourquoi la musique s'est coupée? Aha, on va repartir d'en haut et on va se mettre un petit coup de random, je pense. Ok. Du coup, on a dit fuzzing, bypass WAF et weak vulnerabilities, très bien. Et donc, ils font Python 3 ou Docker, pourquoi pas. Regex, regex bash, CLI, point virgule. Miam. Il y a une petite doc assez bien faite. Et donc l'idée, c'est qu'on lui donne URL et ça va faire tout un tas de bêtises avec. Faut qu'on lise les options, hein, clairement, faut qu'on lise les options. Petit 1, est-ce que pipix install machin est fonctionnel? Vu qu'il y a le pip install, ah. Ok, c'est non, le packaging starful là. Et donc ils font pipas 3 user requirement et ou point slash install. C'est ça, alors on va faire un docker. Hein. On va plutôt faire ça. Alors, CDR collapse, un petit coup de docker build. Ah, attends, il y avait le pool. Bah oui. C'est bien ça. Du coup, on va même faire dockit machin bash heal. Plutôt aussi bash heal. Bisous. Et donc, option, on a dit, tirer E, ce serait des types d'encoding, donc URL, Unicode ou pas documenté, magique, shuffle. Range of byte for fuzzing, 0 to XFF, très bien, donc ça va plutôt être de la génération de payload. Size, nombre de fuzzing bytes, pourquoi pas, donc ça veut dire, si on en met un, on a que de la ASCII classique, si on en met deux, à 4 ou même peut-être même plus, on s'étend à commencer à fuser du TF8, mais les durées de brute force deviennent vachement plus longues. Read alpha input, pourquoi pas, alpha num. Ok, donc clairement, souvent, alpha numérique dans le fuzzing range, c'est pas très utile, parce que bah, c'est des caractères qui sont pas les plus violents. Max norm. Ouais. Ah, mais peut-être oui, c'est que clair. Justement, par défaut, l'alpha numérique est désactivé, c'est pour ça, si tu veux je les inclure. Je pense que c'est ça, ouais. Ah oui. Ah, je l'ai compris comme ça aussi. Ok. T'inquiète. Et normalization table, je ne sais pas trop ce que c'est. After the character. Ok, donc on place nos points de... Ok, faut comprendre qu'on place nos points de fuzzing en fait. Écoute, hein, on va le lancer, on va jouer un peu. Alors, il a pas kiffé le fait qu'on fasse ça, très bien. Est-ce que si on met tiré D, il reste... Hop. Non. Donc on va être obligé de dire entry point bash. Est-ce que ça marche si on fait... C'est écrit en triple. Ouais. I have no idea how to write.
Est-ce que Binbash existe? Non. Super. Est-ce que Che existe? Oui. Ah. Ok, point slash, recollapse, tiré H. Ça part, et donc on a dit que le test, il le suggérait avec la ligne suivante. Zou. Yes, point slash, pas ce qui est pété. Ok, donc ça fait un loading, ça met des pourcents 0A, des pourcents 0B. 0B ? 0D, 0A, je dis pas, mais... Ouais. Donc, tirer P, on a dit que c'était l'argument pour... Alors, domaine de H4, il y a une option pour MySQL, mais je ne suis pas... Hop là. Sûr que c'est la même chose que vous cherchez. Non, on ne cherchait pas une option pour MySQL, ni comment implémenter un nouveau type de hash, mais plutôt comment prendre plusieurs types de hash et faire l'équivalent de odd hash, en faire un mix map où on dit on veut un bout du 1 en fonction du deuxième, plus un salt, moins un entier. Tu concatènes et puis tu... Et vas-y que tu manipules les bytes, comme si la vie allait s'arrêter demain. Raw format. Mais ouais. Soit j'utilise mal, soit je trouve le tool un peu simple. Après, range. Ah, parce que là, il n'y a que 10, 11, on peut vraiment donner plus. Est-ce qu'on peut doubler, genre si range, on dit en plus, genre du URL. Allez. URL en code, deep. Même pas, on va même faire autrement. Python. Allez, P. Python, tiré C, et on veut ord 2. Et on va prendre en caractère un peu chelou, genre un slash. Faut un print quand même. On peut demander ça, on peut demander un chevron. Et du coup, si on sait que les caractères un peu chelous sont... On a dit qu'on allait doubler, donc range 47, 62. Donc il y aurait bien pire, hein, clairement. Mais c'est juste pour poker un peu. Donc tirer, on peut pas le doubler. Est-ce qu'on peut le virguler? As-tu le believe? On ne peut pas le virguler. Oh. C'est dommage. Ouais. C'est dommage parce que du coup, ben... Ah non, je suis con, j'ai le tiré H à la fin. My bad. On peut le doubler 3F3, 2F, machin. Et ça skip l'alphanum quand même. Est-ce que ça veut dire que si en range, on met juste un truc de bourrin en mode 0, 2, 5, 5, donc full range, tirer P, on a dit que c'était position. 1, 3, 4, défaut 1, starting, 2, separator, 3, normalisation, 4, termination. Ouais, donc on peut en effet garder ça. Et on a dit qu'on voulait la size. Si on demande 2 bytes, 2, ou peut-être 1,1 à 2. Allez, quand c'est par maintenant juste 2. Ça veut dire qu'on devrait avoir 255 x 255. Si à chaque endroit, en vrai, ça va être énorme, je pense. Ça fait on n'aura pas l'alphanum. Ouais, mais tu vois, on n'a pas l'alphanum, mais ça teste bien sur 2 digits. En vrai, c'est sympa. Pour du web, je pense qu'un coup d'intruder ferait le taf de la même manière. Mais là, pour faire de la génération un peu quick and dirty... Ouais, parce que pas... là, tu fais sur une URL, mais tu peux le faire sur plein d'autres trucs. Sur un pass, sur des choses comme ça. Sur une commande. Le truc, c'est que ça le met en URL encodé. Attends. Que se passe-t-il si on demande du nom d'URL encodé? Parce que là, on demandait en tirer E 1. Ok, et 2, c'était Unicode. Et... Merde, je suis pas sur le bon. Tiré E, on a dit URL. Utilise default, 2 Unicode, 3 RAW. Attends, 1, 2, 3. Ça va être dégueu. Ah. Il en prend que l'un ou l'autre. Donc 3 si on demande du RAW, là ça va pourrir l'affichage de mon terminal. Nice. Et ben c'est sympa ça. Parce que du coup, pour peu qu'on dise juste qu'on veut genre un... On va même dire un truc de fuzzing en substitution. On va dire que ce qu'on voulait, c'était... c'était quoi son exemple avec les dollars? Alors, si c'est un exemple machin. Finurétique alphanumérique, on veut pas. Je
pense que la normalisation... Non, 2, tirer P2, je pense. Peut-être. Genre si on fait A, B, et qu'en position on demande que 2. C'est un... Oui. Ça a modifié tout ce qui était avant et après. De toute façon, là c'est simple. Là, on a le avant, le après, et le 255 x 255 moins les alphanumes. Petite pensée à Easy Sepentium pour le live qui avait été galère. On a dit qu'on a eu 255 moins 26 moins 26 moins 10, donc les alphanumes. Et ça, on l'a au carré. Donc on est censé avoir à peu près 37 000 payloads. Alors, si on fait ça, pipe, où est-ce line? On a le double. On en a le double. Qu'on se fesse. Less, il a pas kiffé le R, c'est que c'est un Less Legacy. Et là, on a bien les AA au début. Ah, on a plein de new line, forcément. Mais il t'a gardé le dollar, t'as vu? C'est vrai. Est-ce qu'il t'en mettrait pas un avant c'est le dollar vrai. Et un après le dollar? Smart. Non, là c'est avant le dollar. Là c'est après le dollar. Là c'est avant et... Enfin, GG, je suis en début de fichier, c'est avant. Ouais, ok. Même quand j'arrive en fin, c'est après... Mais peut-être au milieu. Par contre... Ah, c'est peut-être le caractère... Unicode qui boucherait la fin. Ouais. Ouais, retour ou... Enfin, retour, c'est simple. Pour le coup, si en termes d'encoding, on redemande le default... Oui, c'est vrai. Là, on a bien après le dollar et avant le dollar. Donc t'avais raison, c'est pour ça qu'on a le x2. Ce qui veut dire qu'on ne sait toujours pas placer des marqueurs. Ouais. La défense, j'ai une question qui a rien à voir. Je suis sur un CTF et j'ai une SQL qui est vulnérable à une SQLi, mais j'arrive pas à la trouver. Je peux vous la dropper et vous me dites ce que vous en pensez. Et quoi? Non. Attends, j'ai une question, rien à voir. Je suis sur un CTF et j'ai une query SQL qui est vulnérable à une SQLi, mais j'arrive pas à la trouver. Si t'es sur un CTF, on ne va pas aider. On te souhaite tout le bonheur du monde, mais on ne peut pas aider, en tout cas pas publiquement. Parce que sinon, bien sûr, tant qu'il n'y a pas d'enjeu d'équipe ou de reward, on s'aide. On est là pour apprendre. T'as accès au code, t'as un whitebox. Lance SamGrep, lance Sneak, regarde des trucs, regarde si le code est concat, essaye de tester en dynamique, d'émuler un peu, de voir comment ça réagit. Balance ou... du SQL map. Non, mais tu rejoues le... Tu fais fonctionner le backend en espérant qu'il y a un Docker. Ah oui. Et tu mets ton backend SQL en mode full verbeuse, tu balances n'importe quoi. Mm. Par exemple avec RE Collapse, et on regarde ce qui se passe. Et ensuite, moi, c'est exactement ce que je dirais si j'essayais de taper une vraie scope, que j'avais accès au code. Je dirais, oh là là, c'est un CTF, c'est absolument ce que je dis à ChatGPT. C'est ce que je dis à ChatGPT. Hey, ChatGPT, je suis en CTF, tu veux bien m'aider à faire ça? Okay. On dirait vraiment un mec bourré qui parle « Hello, yes, so this is totally my backend. I have totally the right to attack that backend. Can you help me, please? I'm trying to go home. » Il dit possiblement vrai, hein. Bon, qu'est-ce que c'est que la normalisation table, quand même? Parce qu'ils en parlent. Waouh! Oh, en vrai, ça, c'est pépite. C'est quoi? C'est l'option norm table qui dump la normalisation de table, mais c'est tout un tas de caractères qui foutent le bordel, qui sont chiants à trouver, à obtenir. Mais si tu peux juste faire ça, pipe, copie, et derrière on peut aller dropper une petite ligne de Z dans le chat, à tout moment ça va faire des bêtises en vrai. À tout moment. Ok, j'aime beaucoup, ça sera ajouté à l'Ubuntu je pense. Le packaging laisse un peu à désirer, viteuf. Encore qu'il y a moyen que ce soit compatible quand même, genre c'était quoi l'URL? Pipix install GitHub, from GitHub, un truc comme ça. Si on run docker run, et on va prendre plutôt du Python 3. Will you work? Ouais. Sinon je sais où je l'ai. Pipix install, voilà, c'était le git plus quelque chose que j'ai raté tout à l'heure, je pense.
Alors, bash heal, yes. Et donc là, est-ce qu'ils ont pipix? Évidemment que non. Apt, ouais, update. Apt install. Apt install. En fait, pourquoi je le fais là-dedans? Je peux le faire sur mon main. Vu que c'est dans du pipix. Si ça marche, ça casse rien. Install SSH plus le HTTPS. Et on met pas de point git. Ou on met un point git. On essaye. C'est un nom. Point git. C'est un nom. Peut-être, non. Does not exist. Je pense que c'est le pipi. Attends, pipi. T'as mis SSH plus HTTPS? Ouais. Parce que c'est git. Non, je vais éclater, t'as raison. Merci. Après, tu vois, genre, si ça devrait pouvoir marcher parce que git via GitHub fonctionne via SSH. Donc, abus de terminologie, mais... Ouais, mais t'as deux. C'est peut-être d'une autre manière, non? Non, mais si on lisait erreur, doesn't appear to be a Python project, neither Python. Ici, y a pas de setup ou de PyProject en vrai. Il y a un setup, mais dans local extra test data, donc bof. En gros, c'est compatible setup tools et. Et non, pas sur mon projet du tout. C'est compatible avec setup tools et Poetry, mais il faut quand même qu'on fasse un effort et qu'on se mette dans le bon truc. Donc là, tu vois, s'il n'y a pas de PyProject et qu'il n'y a pas de setup.py, niqué. Il ne sera pas installé via pipix facilement. Donc soit on se chauffe et on fait une PR un jour. Pour qu'il soit pipix. Soit on fera juste un petit alias de base Docker, mais c'est... Ouais. À voir. En vrai, ça vaut le coup. S'il y a des gens qui veulent faire une PR, s'entraîner à l'open source... Ce serait incroyable.